Les membres de l'association Je soutiens les restaurants de l'Ouest audois, composés de producteurs, de grossistes et de restaurateurs, souhaitent être une force de proposition pour la réouverture des établissements. Alors que le Premier ministre doit s'exprimer ce jeudi à ce sujet, ils ont saisi les parlementaires audois à qui ils ont remis un document qui regroupe plusieurs propositions pour offrir aux clients une sécurité sanitaire maximale. Depuis le 15 mars, on a décidé de se réunir, de se poser des questions de remise en route déjà. Hein, on est déjà dans l'après-crise, je pense, avec toute la contrainte que ça va représenter, les gestes barrières, que ce soit pour nos salariés surtout et pour recevoir du public. Ça va être surtout compliqué pour les petites structures qui ont des petites surfaces d'accueil intérieures. Donc voilà, je me mets à la place de ces commerces-là qui sont sur des places centrales d'activité, place Carnot, Carcassonne, place Marcoux à la Cité, les bords de mer, où le domaine public est vraiment difficilement maîtrisable. Voilà, chercher peut-être des solutions à leur proposer du domaine public, ce soit les rues. J'ai vu sur Paris qu'il y avait déjà des réflexions à ce sujet. Je pense que c'est la solution pour permettre à ces professionnels de pouvoir exploiter au maximum leur surface commerciale et pour s'en sortir, tout simplement. A noter que la ville de Carcassonne a déjà mis en place l'exonération de la redevance d'occupation pour les établissements fermés depuis le 14 mars.